Peut-être pour commencer, vous dire que je vais parler aujourd'hui en tant qu'autrice et non en tant que chercheuse. Donc, je vais produire relativement peu d'analyses. Vous dire également que je ne suis absolument pas spécialiste de science-fiction ou de littérature de science-fiction également. Vous allez finir par vous demander ce que je fais là. Mais en tout cas, je me pose des questions liées à la science-fiction et je produis des histoires liées à la science-fiction. Mais voilà, je ne vais pas parler à partir d'une culture, ni de la SF, ni de la cli-fi, malheureusement. Voilà, vous dire que je suis au sein d'une résidence d'écrivaine de 15 mois à l'université Eiffel, dans le cadre d'un programme interdisciplinaire qui s'appelle Parvis, qui s'interroge lui aussi sur les représentations des futurs urbains. Et avant de vous parler un peu de ce programme et de ce que j'y fais, j'avais envie de faire un détour par comment j'en suis arrivée à intégrer ce programme, parce que ça m'a semblé que ça pouvait nourrir la réflexion d'aujourd'hui sur les retours entre recherche et création, création littéraire et science. Vous dire aussi peut-être que j'ai décidé d'être un peu hybride, moi aussi, dans le format, c'est-à-dire que je vais vous raconter des choses et puis j'ai décidé de temps en temps de vous lire quand même des extraits de poésie ou de textes en cours d'écriture et d'assumer aussi ces allers-retours-là. Voilà, alors initialement, je suis plutôt comédienne et metteuse en scène, même si j'ai fait quand même des études longues, des études théâtrales. Et j'ai vraiment... on va dire, l'écriture a pris une place plus centrale dans ma vie à un moment donné, qui a coïncidé avec la rencontre très forte avec l'écriture d'une philosophe qu'Alice a évoquée, d'une philosophe des sciences qui s'appelle Donna Haraway, qui a vraiment impulsé aussi un désir très fort de produire des fictions. Donna Haraway, c'est quelqu'un, si vous ne la connaissez pas, qui pense à la fois toutes les binarités, nature, culture, humain, non-humain, etc., mais qui se nourrit énormément de la science-fiction, notamment de la SF féministe des années 70, pour penser, pour produire de la philosophie, et qui s'amuse aussi beaucoup à décrire la science-fiction, la SF, comme science-fiction, c'est-à-dire fiction à partir de la science, mais qui tricote et détricote aussi le terme de SF, en parlant aussi de fabulation spéculative, de narration spéculative, de fabulation féministe, donc qui joue comme ça avec ce mot jusqu'à aussi parler de string figures, les jeux de ficelle, en disant qu'en fait la SF est une manière de faire des jeux de ficelle entre le passé, le présent et le futur, et dans ces jeux-là, voilà, d'inventer d'autres mondes. Ce qui est très fort pour Haraway aussi peut-être, et qu'elle emprunte au philosophe anglais Whitehead, c'est l'idée de spéculation, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de spéculer pour transformer le monde, et la nécessité pour spéculer de créer des formes propositionnelles, d'incarner des mondes qui n'existent pas encore. Cette idée-là, qui est prise par les collègues proches de Donna Haraway comme Bruno Latour et Isabelle Stengers, c'est aussi une idée qui va mettre en avant l'idée de narration, c'est-à-dire l'idée qu'il faut faire récit, raconter des histoires pour raconter des mondes désirables. J'ai l'impression qu'il y a eu un énorme boost de cette pensée-là depuis la crise sanitaire, ce qui est assez intéressant puisque la crise sanitaire a fait sa place entière à la dystopie, et au moment même où nous étions au milieu de la dystopie est arrivée à émerger la notion de monde d'après, comme s'il fallait de manière très urgente éprouver, penser des utopies afin d'échapper à la dystopie. Moi, suite à cette découverte bouleversante avec Donna Haraway, j'ai écrit un premier texte en 2019 de théâtre qui s'appelle Sirène, et qui, finalement, dans une certaine culture de la fanfiction, reprend le dernier chapitre du dernier livre de Donna Haraway, Vivre avec le trouble, chapitre où elle imagine que les humains du futur s'hybrideraient avec les animaux, avec l'ADN, le patrimoine génétique des animaux, afin de préserver à la fois leur patrimoine génétique, mais aussi leur patrimoine culturel, avec voilà, des personnes simples du futur, comme vous pouvez l'imaginer, Sirène est l'histoire d'une femme, Cabillo, des années 2400, qui débarque dans les années 2020,
dans une 2020 pas présente. Enfin, je l'ai écrit en 2019, c'était 2024. Je pense que je vais devoir avancer. Quand je le mettrai en scène, je le mettre en 2028, par exemple, mais dans un, voilà, une communauté un peu zadiste, dans un futur très proche, qui invente des solutions idiotes pour l'avenir. Et cette petite communauté qui spécule sur l'avenir se retrouve confrontée à une sirène qui leur dit, en gros, vous allez dans la mauvaise direction, les gars, vous êtes en train de foncer dans le mur, avec cette idée finalement que le futur serait aussi peut-être ce qui nous appelle, hein, qu'au lieu d'aller chercher le futur serait un chant, le chant d'une sirène qui viendrait nous avertir, créer un signal d'alarme aussi, la sirène c'est également ça, se dire attention, vous allez dans la mauvaise direction, et puis qui enchante les humains pour les emmener jusqu'en 2400. Voilà. Je vous parle de cette histoire parce que pour moi aussi parce que aujourd'hui je prépare donc sa mise en scène, la création, la production théâtrale est très longue, donc la pièce sera créée à l'automne 2023. Et dans ce cadre-là, je travaille actuellement à la conception notamment de. Ça marche, ça ? Ça ne marche pas. Zut, j'ai pas du tout la main sur mon. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça marche, ça tout à l'heure. On est coincé avec Donna Haraway pour toujours. Sur mon micro, on est coincé à tout jamais. Je ne sais même plus comment partir. J'ai un sauveur peut-être. Pas du tout. Ah non, là c'est. C'est bloqué, bloqué, j'ai l'impression. Ouais. Oh là là. Alors on est allé trop vite. Ouais, voilà. Donc dans le cadre de cette création, l'idée est... Merci beaucoup. De rien, j'ai pas fait grand-chose. L'idée est aussi d'inventer du coup une queue fauteuil roulant. Donc ça, c'est un mood board. Donc c'est un mood board, c'est un objet de travail pour travailler avec les créateurs en costume et en scénographie. L'idée, c'est d'inventer une queue à mobilité alternative, une queue fauteuil roulant, puisque l'actrice qui jouera la sirène, c'est une actrice en situation de handicap physique. Je trouvais ça intéressant de montrer ce projet en cours de fabrication, donc à partir d'une technologie qui soit celle de l'exosquelette, d'un objet du coup proprement cyborg, mais d'un cyborg véritablement haraouéen, c'est-à-dire l'idée d'un cyborg qui ne soit non pas la figure, on va dire, d'une virilité ou d'un surhomme ou d'une certaine conquête, enfin cette idée que le cyborg ne serait pas une figure représentant les rêves transhumanistes d'un dépassement de l'homme par la technologie, mais que le cyborg peut aussi être une figure que le féminisme peut s'approprier, une figure aussi de la fragilité, du lien et d'une hybridité qui soit celle du bricolage. Et là, dans l'idée de sirène, pour moi, il y a vraiment cette idée-là qui peut tout d'un coup se jouer de manière très forte entre un futur très lointain, avec un objet très étrange, et en même temps qui vient nous dire des choses sur notre présent, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire si le futur nous est chanté, hanté par une personne en situation de handicap, et au fond, la ville du futur n'est-elle pas une ville qui laisserait la place à tous et à toutes, et donc déjà une ville inclusive pour des personnes handicapées. Et finalement, le fait d'aller chercher un futur très lointain vient tout d'un coup aussi raconter quelque chose sur notre présent et les possibilités d'utopie de notre présent. Haraway parle, je trouve ça assez joli, elle crée beaucoup des termes de responsabilité, responsibility, c'est-à-dire comment la responsabilité est une habilité à créer, à produire, et donc il y a toujours... parler de s'envoler, mais il y a cette idée de s'ancrer dans le présent et dans le passé pour produire un futur possiblement barré. Voilà. Donc Sirène a vraiment été un projet inspiré d'une philosophe des sciences et qui, dans sa mise en pratique, requiert à nouveau un dialogue sur sa conception technique. Et donc vous comprendrez que dans la continuité de ce travail sur cet premier exemple qui sert aussi de longue introduction,
que j'ai eu envie de continuer de travailler, cette fois directement au contact de chercheurs et chercheuses pour élaborer de la fiction à partir de leur savoir. Ah oui, je voulais peut-être aussi vous montrer ce travail de art orienté objet, qui est un duo d'artistes qui travaillent depuis les années 90 je crois qu'ils appellent ça de l'écologie radicale, c'est-à-dire le fait de produire un certain nombre d'objets techniques qui permettent d'éprouver des sensations animales, qui permettent d'entrer en contact de manière sensible avec les animaux par les outils technologiques. Voilà, et qui inspire aussi quand même la mise en scène aussi de Sirène à venir. Peut-être pour vous dire quelques mots du programme Parvis, c'est un programme très singulier au sein de l'Université Eiffel parce qu'il rassemble des personnes qui travaillent dans des champs très différents. C'est un programme avant tout mis en place, dirigé par Irène Langlais, qui est chercheuse en littérature de science-fiction, et donc il y a tout un volet central sur l'analyse des science-fiction climatiques, mais il y a aussi tout un volet de recherche appliquée avec des architectes qui travaillent sur la représentation du bidonville et des habitats précaires, des chercheurs qui travaillent également sur quel récit, quel storytelling produisent les images d'urbanistes et d'architectes, et puis il y a aussi des musiciens et une plasticienne, tout ça pour dire que c'est un groupe très hétéroclite qui travaille sur les futurs urbains, et là-dedans la position d'écrivaine est forcément, pour moi, a été une position particulière, puisqu'il a fallu appréhender les objets de recherche de chacun et chacune et me poser la question d'à quel endroit j'allais pouvoir les faire tenir ensemble, puisque mon enjeu était d'écrire à partir des savoirs en cours de production. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modalités d'interaction avec la recherche entre art et science, avec notamment un certain nombre de rencontres, de binômes qui se font sur un temps court. Là, la particularité, c'est que je suis ces équipes pendant 2 ans, ce qui est un temps relativement long. Et en même temps, la difficulté est aussi que des chercheurs ne se regardent pas, ne s'analysent pas, comme tous les objets d'études. Si je fais un projet sur des chauffeurs routiers, je vais aller à leur rencontre et passer du temps avec eux, avec les chercheurs et chercheuses, c'est parfois plus compliqué, puisqu'il y a un travail solitaire, il y a un travail dématérialisé, il y a un travail qui est en cours. Et donc, ça a été aussi l'enjeu pour moi de me dire comment je peux faire émerger des choses alors même que les choses sont en train de se constituer de manière parfois à peine visible. Avec la difficulté aussi d'avoir fait très peu de terrain avec les membres de Parvis, puisque ce n'est pas forcément des personnes qui étaient directement en contact avec un terrain architectural. Je suis allée une fois en bidonville accompagnée Pascal Geoffroy, mais ça n'a finalement pas donné lieu à un terrain plus actif. Et donc, j'ai pas du tout regardé combien de temps je suis en train de prendre. Il faut que je m'arrête à 17h. Très bien. La première année, j'ai fait des interventions par mois, par séminaire, une fois par mois, avec des performances, des poésies, etc. J'ai aussi écrit une pièce post-apocalyptique comique qui était une sorte de jeu en résonance avec Parvis. J'avais envie de vous parler de peut-être 2 objets, si j'en ai le temps. La première, c'est la production de poèmes avec l'idée, par la poésie, de produire un autre discours que le discours critique, analytique que faisait le groupe de recherche sur les images d'urbanistes. Donc j'avais envie de vous en lire un petit bout, que vous ayez une image concrète de ce dont je parle. Donc, je vais vous lire un bout de poésie. Voilà. Et après, je vous parlerai d'autres choses. Donc ça, c'était une image qui était analysée par le groupe Storytelling. Et voilà un extrait, j'ai choisi un extrait de poésie. Imaginez que vous marchez ici. Le soleil est tendre, il caresse votre chemise en textile bio. Respirez. Vous sentez la fougère sauvage, la marguerite des champs, l'écorce du tilleul et la douceur des peaux humaines. La douceur a pris la place de l'atmosphère. Les enfants jouent, les brumisateurs sont gais comme des lapins. Imaginez, vous marchez dans l'image.
Quelque part, à peine plus loin, des véhicules électriques glissent, ronronnent doucement, bâillonnent le silence. Ici, les feuilles s'ébrouent comme une publicité aux cheveux d'or qui le vaut largement. Les rues se nomment des allées, les avenues sont des promenades, les artères sont des passages et les carrefours s'appellent des squares. Ils portent les noms de Nelson Mandela, John Lennon et Anne Frank. Vous êtes à l'intérieur du rêve et Nelson Mandela, John Lennon et Anne Frank inaugurent le quartier et se mettent à chanter « Oui, oh oui, oh oui, oui, oui » et puis d'autres paroles que j'ai malheureusement oubliées. Après leur chansonnette et puis leur beau discours, ils s'embrassent les uns les autres. Des paparazzis prennent quelques photos pour la promotion immobilière du quartier. Les agences sont bien contentes d'avoir les images d'une jolie famille issue de la diversité. Un noir, son compagnon PD et une enfant juive. Et puis Nelson Mandela, John Lennon et Anne Frank s'envolent comme des chevaux au galop dans les airs, cataclope, cataclope, cataclope. Vous êtes dans le musée du mensonge et il n'a aucun mur. Les gens sont de chair et d'os, les portails des immeubles sont en aluminium, les arbres sont faits en arbres, le bois est bois, l'écorce est écorce, les feuilles sont feuilles, savons-nous plier comme le bouleau dans le vent? Savons-nous nous plier dans l'image, sans le vent? Promenez-vous comme si vous y étiez, et pourtant vous n'y êtes pas. Ravissement de la vie électrique. Voilà, un bout de poème qui produit autre chose qu'une analyse critique tout en étant le reflet. Je voulais maintenant vous parler, donc ça c'est des poèmes que j'ai continué de faire, qui peut-être un jour formeront un recueil, je ne sais pas encore, qui vont être mis en musique par une partie de l'équipe du programme aussi. Donc c'est des collaborations qui sont à différents niveaux avec les différents membres. Et puis je voulais quand même vous parler d'un projet romanesque en cours qui s'appelle « Les nouveaux venus ». C'est une fiction que j'ai écrite qui s'est appuyée justement sur le sens que ça pouvait avoir aujourd'hui d'écrire du futur à l'aune de ces rêves de monde d'après qui se sont lamentablement écroulés au sortir du confinement, puisqu'on a réalisé que le monde d'après n'était juste que la répétition en pire du monde d'avant. Et à l'intérieur de cette réalité qu'on vit post-crise sanitaire, mon désir de spéculation a été un peu atteint, ou en tout cas j'ai eu le désir j'ai eu envie de me dire que ce serait quoi une science-fiction du présent, comment on ferait trembler notre présent en le réordonnant d'une autre manière que son ordonnancement officiel, comment trouver une logique au présent, comment au fond l'étrangeriser, puisque c'est bien le procédé de la science-fiction que de tenter une distanciation, une étrangéralisation de notre réalité. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée du travail de Pascal Geoffroy et Jacques Hippolyti sur leur observation du bâti des bidonvilles. Ils ont pris tout un tas de photographies et produit tout un tas de dessins architecturaux des bidonvilles, d'un certain nombre de bidonvilles en région parisienne, en se basant vraiment sur le savoir-faire propre de ce bâti-là. Et j'ai imaginé un récit qui imagine un peuple étrange, étranger, indéterminé, possiblement extraterrestre, en tout cas le récit ne révèle jamais leur identité, mais un peuple qui débarque dans Paris au lendemain d'une tempête et qui vient habiter les zones non désirables de Paris. Et peut-être dire aussi que, outre les photos, les récits, les dessins et les récits qu'ils ont pu me faire de leur travail en bidonville, j'ai aussi quand même un peu joué avec la posture de fausse chercheuse idiote, en imaginant une enquête comme ça un peu absurde de qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font dans ces endroits les plus indésirables de Paris. Enquête absurde, finalement, reflet finalement d'une enquête globale des habitants de Paris pour comprendre qui ils sont, au lieu finalement de nourrir et loger ces personnes qui débarquaient. Et donc c'est un récit forcément qui fait une métaphore filée de l'accueil des personnes migrantes en France, avec quelque chose de monstrueux, presque à la Dogville, hein, d'une enquête malsaine
qui, au fond, réitère l'injonction faite aux migrants de décliner leur identité, le récit véridique de leur vie, afin de savoir si oui ou non ils obtiendront une carte de séjour. Et donc, finalement, en leur refusant la possibilité, on revient toujours à la même question, de se raconter tel qu'il et elle le souhaitent, et donc de s'attacher, de se raconter pour rencontrer et pour ouvrir des futurs possibles. Donc c'est un récit de refus comme ça, d'attachement. Je l'ai vraiment écrit du coup en lien avec le programme Parvis. C'est une histoire que j'ai ouverte, si j'ose dire, par une fausse conférence que j'avais donnée l'année dernière, je crois, en novembre dernier, où j'avais fait un super PowerPoint vraiment très chic, où j'étais doctorante en sociologie spéculative dans le département des string figures, et où j'analysais ces nouveaux venus. J'aurais aimé, mais c'était un peu compliqué, j'aurais aimé vous lire des bribes de ce récit en cours en vous montrant des images pour bien comprendre ce sur lequel je me basais, mais parce qu'elle est déjà qu'on préférait que je ne partage pas forcément les images avec vous, puisqu'ils sont en train de constituer un objet avec ça, et donc n'avaient pas forcément envie qu'il soit partagé, alors même qu'il est en cours de fabrication. Mais voilà, je voulais finir par des petits extraits, si on a le temps. Je vais pas m'excuser, mais je vais le faire quand même. C'est des extraits, j'ai un peu coupé dedans, mais pour que ce soit quand même un peu cohérent, j'ai pris un premier extrait après qu'ils soient arrivés, après qu'on ait passé beaucoup de temps à les interroger. En l'absence de prise en charge de notre part, aussi peut-être vous dire, parce que là ça arrive à 30 ou 40 pages, mais du coup il y a une écriture inclusive, donc c'est peut-être bizarre quand c'est abrupt, on rentre dedans de manière abrupte, mais en gros j'utilise le « il » et le « elle » un peu indifféremment pour parler de ces personnes. En l'absence de prise en charge de notre part, elles firent comme bon leur semblait, et leur décision fut pour le moins étonnante. Elles choisirent de s'installer dans les zones les plus détruites du tissu urbain de la capitale. Ils allèrent sur les ruines de la tempête et dans tous les interstices déjà désaffectés de notre capitale. Ils allèrent là où personne n'allait, là où personne jamais n'aurait osé ni pensé s'installer. Ils visèrent les plates-bandes du périphérique, notamment celles en pente qui paraissaient impraticables. Ils construisirent quelques baraques. D'autres s'installèrent dans les marges laissées entre plusieurs bretelles d'autoroute sur ces zones abandonnées par l'infrastructure routière, lieux morts dont on ne semblait rien pouvoir faire. Par exemple, ils se firent nombreux aux bretelles de la 1 vers le nord de Paris ou encore vers la 3 à Bobigny. D'autres encore s'attaquèrent aux terrains abandonnés par la déforestation, pollués par l'industrialisation. Pour cela, ils n'avaient pas peur de faire des kilomètres et de s'éloigner du centre de la ville. Et cela, même si les zones qu'ils souhaitaient habiter étaient des terres abîmées, petites, laissées là sans fonction ni beauté. Loin de viser les fameux poumons verts, ils se dirigèrent vers les orteils gelés, les bouts de mains tuméfiés, les yeux endormis, les colonnes vertébrales fracturées. Là, ils se mirent à frotter. Je ne sais pas comment dire autrement, ils frottaient comme on frotte des vieux brins de paille en espérant construire un feu. Ils frottaient comme on frotte un cœur fatigué dans l'espoir de le voir repartir. Elle frottait comme on espère enlever la tache de sang, la trace d'un crime. Ils frottaient, voilà, elle frottait, c'est tout. Ils habitaient, pourrait-on dire aussi. Elle prenait ce qui était là, essayait de voir comment rendre à ce qu'elle trouvait quelque chose comme une utilité. Ils grattaient la possibilité de fonctionnalité des objets et des choses qui les entouraient et qui semblaient morts. Elles faisaient exister des lieux qui ne savaient pas exister, avaient oublié d'exister ou en avaient été empêchés. Ils allaient dans des endroits abîmés par manque de désir, des endroits rejetés, parfois trop aimés, abîmés d'avoir été trop aimés, des endroits trop longtemps exploités, dont il n'y avait plus rien à tirer. Elles allaient là où la substance du désir avait été abîmée et elles frottaient. Il rendait visibles les blessures comme une manière de les évacuer. Ça donnait des choses toutes bêtes. Des semelles de chaussures devenaient des gonds de porte. Les baignoires récupéraient l'eau de pluie. Les manches de balai servaient à accrocher des cintres. Les cintres faisaient des avions. Et les parasols des auvents des maisons.
Les arbres présents sur le terrain devenaient des poutres, des porte-vêtements, porte-poils, porte-casseroles, porte-parapluies ou porte-balançoires. Je les croisais souvent alors que je prenais une bretelle à Porte de la Chapelle pour rejoindre la 1 sur quelques kilomètres. Sur les plates-bandes de la bretelle, à force de frotter, c'est tout un tas de déchets qui s'accumulaient sur les terrains. Canettes de soda, McDo, vêtements en lambeaux, restes plastiques d'un repas. Notre civilisation remontait à la surface. La pollution des voitures tout autour de la plate-bande remontait à la surface. La longue émergence des choses, pour parvenir jusqu'à nos bouches, nos oreilles, nos peaux, remontait à la surface. Elle frottait, oui, et laissait voir le monde tel qu'on l'avait pensé et tel qu'on l'avait caché. Il me semblait qu'ils attendaient parfois des semaines, debout à côté de leur plate-bande, à montrer la frotte. On ne comprenait pas, on était comme l'idiot qui regarde le doigt qui désigne la lune au lieu de regarder la lune. Qu'est-ce qu'il nous voulait adosser là, sur la rambarde de la Porte de la Chapelle? Allait-il sauter sur nos voitures, carjacker notre sac sur la place passager? On refusait de comprendre. Ils étaient sales quand même. Voilà, je vais vous lire un autre passage un peu plus tard. À un moment donné où tout le monde a décidé qu'il fallait se débarrasser de ses nouveaux venus et où il y a quelqu'un qui, une sorte de grand fou gnostique qui a une autre théorie, une sorte de grand fou gnostique à la barbe rousse haranguait les foules sur le parvis de Notre-Dame. Les nouveaux venus n'étaient certainement pas là pour répandre la folie noire et nous porter malheur, nous n'avions vraiment rien compris. Ce qu'ils faisaient, c'était maintenir l'équilibre. Il dansait sur les pieds de la folie, il la respirait, il l'évacuait. Il racontait la possibilité d'un autre monde où le démiurge, ce méchant dieu autoritaire qui s'était accaparé la terre, n'aurait pas colonisé les terres. Pour cela, oui, il fallait beaucoup frotter, ne pas laisser la propriété s'installer. Quiconque voulait s'accaparer quelque chose risquait de tomber dans les mains du mauvais dieu. On s'était en effet rendu compte que les nouveaux venus parvenaient à trouver les quelques parcelles du cadastre sans propriétaire. C'était pourtant rare en France, encore plus en région parisienne, mais ces parcelles existaient. Vinci n'avait pas pris la peine de les acheter. L'État lui-même les avait ignorées. Il existait de la place libre. S'ils étaient revenus parmi nous, c'est bien parce qu'on ne savait plus respirer. On était bouchés, rigides, momifiés vivants dans nos propriétés privées. On s'enfermait dans des cages à poules et dans ces cages à poules, on se scotchait sur des boîtes à mensonges qui débitaient des mensonges à longueur de journée. Plus rien ne circulait, l'atmosphère s'épaississait, on s'enfermait dans un bocal. Si on voulait s'accrocher aux objectifs des scientifiques du climat, il fallait se rendre à l'évidence, on devait tous et toutes frotter. Oui, sitôt qu'on bouchait trop l'avenir, les nouveaux venus venaient faire de la plomberie. Voilà, je voulais peut-être lire un dernier extrait. Bon, il y a une crise de frotte à un moment donné, c'est-à-dire que tout le monde se met à frotter. J'ai réordonné le réel de manière pas très... Il y a des révoltes dans les banlieues pour brûler la terre, pour la rendre fertile, féconde, pour qu'elle puisse à nouveau faire germer de l'avenir. Et puis, toute une partie où on se met à frotter des ronds-points parce que c'est quand même le lieu le plus indésirable possible et que donc en frottant les ronds-points, on peut faire réémerger quelque chose à partir d'un lieu non désiré. Et puis, j'avais quand même envie de raconter les frottes du capitalisme vert, enfin, parce qu'il y a quand même un mouvement comme ça de récupération permanente au sein même de... Ah oui, et j'avais une image pour parler de cette frotte. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc je voulais quand même parler de la frotte capitaliste. Certaines frottes furent étonnantes et s'opposèrent aux occupations urbaines. Elles s'inspirèrent de cet art si particulier des nouveaux venus qui consistait à s'adapter à ce qu'ils trouvaient. Ces frottes prônèrent des constructions nouvelles, guidées par la souplesse et la porosité. On devait imaginer des habitats transformables, légers, adaptables aux saisons. Nos architectures seraient molles. Ça demandait un paquet de cabinets d'architectes pour plancher sur toute cette possible mollesse. Les architectes du mou reprenaient un vocabulaire auparavant développé par les occupants luttant contre les travaux du Grand Paris. Ils n'avaient pas peur d'utiliser les termes de récupération, résilience, développement durable et même révolution verte. Ils allaient jusqu'à évoquer eux aussi le danger de l'artificialisation des sols en détaillant les avantages de leur immeuble mobile, mouvant et mou de 68 étages.
Nous devions nous éteindre à la verticale. Blade Runner version guimauve, c'était l'avenir. Les architectes du mou appréciaient les chemises bien repassées, mais ils croyaient aussi que la révolution passait par l'assouplissement des choses. Ils évoquaient l'assouplissement des poignées de porte et celle des taxes foncières, l'assouplissement des façades des bâtiments et celle des patrimoines publics, l'assouplissement des toits végétaux et celle des idées toutes faites sur la révolution verte. Par exemple, l'un d'entre eux se mit à défendre les 4x4 urbains qui avaient proliféré sous le petit nom de SUV. Les SUV pouvaient paraître condamnables d'un point de vue écologique, mais en réalité, il fallait assouplir notre regard. Un tel engin réveillait notre désir de partir à la quête du monde sauvage. Il indiquait notre irrésistible attirance pour l'exploration into the wild. À bord de son 4x4, on pouvait s'échapper mentalement des bouchons parisiens. Le moteur ronflait, on entrevoyait la girafe, le gorille, l'anaconda vert. Les Parisiens rêvaient de forêts profondes, de nature vierge et de Sahara. La transition était en route. Lui-même avait hésité à acquérir une SUV après un mémorable safari en Tanzanie. Il avait gardé sa BMW électrique pour l'image médiatique, c'était quand même plus safe. Un autre architecte du mou prôna le pouvoir des récits et celui de la spéculation. Évidemment, nous devions créer d'autres possibles que le béton. Les architectes étaient des créateurs d'histoire et il fallait qu'enfin on leur donne la parole. Lui, il avait le sens de la poésie. Dans une autre vie, il aurait fini romancier et fait quelques cartons. Pour se consoler, il inventa sur son site internet, dans des récits lyriques, les vies utopiques et géniales que traverseraient les personnages habitants de ces architectures séquestrées dans de formidables sous-marins végétaux. Un autre architecte du mou, inventa un bâtiment coquillage qui suivait le souffle du vent, s'ouvrait comme une pétale quand le ciel était pur pour mieux se refermer au lever de la brise. C'était un hommage au nouveau venu, affirmait-il. Il pratiquait l'imitation comme on imite de loin le tai chi. Les nouveaux venus étaient le parfum, lui, il montrait la fleur. Les budgets construction étaient élevés, mais qu'importe, puisqu'il promettait d'accueillir les exilés climatiques dans son futur coquillage. Les architectes mous avaient des convictions. Les îlots de fraîcheur et les aires d'éclairage public par algues bioluminescentes ne se feraient pas sans coup de force. On ne pouvait pas laisser de la racaille saboter la transition. Ceux qui avaient attaqué les beaux projets du Grand Paris pouvaient frotter en province tout ce qu'ils voulaient. Ils ne s'y opposaient pas. Avec un peu de maturité, qui sait, on pourrait en faire quelque chose. Ils rejoindraient les rangs une fois jeunesse passée. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces quelques bribes. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si le post-apocalyptique comique se rapproche de l'utopie radicale, mais on va passer la parole en coupant peut-être le haut-parleur et le micro. Il faut couper ton micro aussi. Micro et haut-parleur, oui. Et donc, peut-être départager l'écran. Si je me vois. Et puis je passe la parole à Karine. Il faut. Du coup, faut que... Non, c'est bon. C'est bon. Alors, moi, j'ai des questions de méthode. Ben, merci déjà pour cette intervention super intéressante. Des questions de méthode. Je ne sais pas si je te tutoie. OK. Tu parles de prendre racine dans la recherche et là, tu donnes l'exemple de ta résidence. Je me pose des questions vraiment concrètes et matérielles de cet aller-retour entre la recherche et la création ou du fait de puiser dans la recherche pour la création. Il me semble que partager des résultats, même en cours d'élaboration, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Il s'agit de transmettre, de lire. Et encore, ce n'est pas toujours simple parce qu'il faut organiser le temps de la rencontre, surtout si c'est des choses en cours d'élaboration. Ensuite, il y a aussi l'idée de faire ensemble. Et ça, quand on l'expérimente, c'est souvent assez compliqué, en fait, parce qu'on a tous nos habitudes de travail et des façons de faire. Et je trouve que dans les expériences que j'ai eues, moi, de ces allers-retours, c'était souvent assez difficile. Et puis, je me pose la question de la pertinence
Et si oui, des façons de hybrider potentiellement les compétences de part et d'autre, en fait. Et pas seulement de partager les savoirs produits par la recherche, mais de voir si les compétences de la recherche, les compétences de l'artiste peuvent se frotter, pour reprendre ton terme. Je prends un exemple très rapide. Donc, je dirige une compagnie de théâtre. On a fait un spectacle sur les rapports police-population. On a mené des entretiens avec des policiers qu'on ne pouvait pas enregistrer. Donc, on a convoqué nos comédiens à ces entretiens dès le début de l'écriture. Et en fait, les comédiens menaient des entretiens en tant que comédiens et pas en tant que chercheurs en sciences humaines. Et donc, l'entretien se transformait parfois en une discussion où ils donnaient beaucoup de place à eux, leurs propres ressentis, etc. Et là, je voyais bien... comme j'ai une petite formation en sciences humaines aussi, que là, il y avait un manque de méthode et en même temps, ça a amené quelque chose d'autre. Mais c'était dommage sur le plan, du coup, de ce qu'on retirait de cet entretien. Et à l'inverse, on a fait aussi des moments où on a convoqué le public et qui, au tout début du travail d'écriture et de recherche, où des gens racontaient leur contrôle d'identité dans une situation qui n'était pas du tout celle d'un entretien, et les comédiens le jouaient, donc c'était encore complètement autre chose. Ça rompait avec soit la timidité, soit la posture d'aisance qu'on peut avoir dans un entretien, par exemple, je prends cet exemple-là. Et ça amenait du coup, cette situation, des récits complètement différents de ceux que les chercheurs en sciences humaines auraient obtenus peut-être. Voilà, donc c'est un tout petit exemple, mais pour dire, voilà, je me demande, est-ce que tu expérimentes avec ce laboratoire et comment des façons de dans l'organisation concrète, quoi, d'hybrider les connaissances et les compétences. Donc, ça m'amène à une deuxième question, qui est, donc tu parles de la recherche à la création, et dans les exemples que tu donnes, on voit que tu te nourris des travaux des chercheurs pour nourrir ta création littéraire, et dans l'autre sens. Est-ce que les démarches qui sont les tiennes en tant qu'autrice peuvent nourrir le travail des chercheurs? Donc, ça rejoint un petit peu ma première question, hein, mais est-ce qu'il y a un trajet qui peut se faire dans ce sens-là? Là, je travaille aussi comme dramaturge avec une équipe de comédiens sur un spectacle qui se passe dans plein de moments du passé, et je vois leur capacité d'imagination, d'incarnation au plateau des comédiens. Ça, c'est phénoménal, ça donne du coup des situations et un imaginaire avec ça ouvre qui est vraiment passionnant. Et du coup, voilà, je me dis qu'il y a peut-être un retour ou un autre trajet dans l'autre sens de la création à la recherche. Et d'ailleurs, dans le fait que la fiction nourrisse, par exemple, l'architecture, dans cet exemple-là, c'est un exemple comme ça. Et du coup, troisième point de question, il me semble que la manière dont tu utilises la recherche pour nourrir ta création et que tu pars peut-être des approches critiques là, dans l'exemple du poème que tu donnais ou de la roman. Et je me demandais si une piste dans ce fait d'imaginer, de sortir des imaginaires conventionnels du futur, de juillet 2013, j'avais cette question aussi sur les méthodes. Comment elle a du mal, Géraldine. Elle a du mal. On va t'assynthétiser. Déjouer nos habitudes de penser du futur pour en ouvrir d'autres. J'ai l'impression que tu prends appui sur l'approche critique des chercheurs et la tienne et de tes lectures. De cette approche critique, tu crées des brèches qui permettent d'imaginer quelque chose qui pourrait aller dans le sens de l'utopie. Est-ce que ce n'est pas une piste à suivre? Est-ce que tu le fais de manière consciente de partir de la critique de l'existant pour on pourrait se dire, pour en prendre le contre-pied, et du coup, quels seraient les contre-pieds plutôt que d'imaginer des futurs qui sont une continuité empirée du présent, quoi, ce qu'on a dans les dystopies, dans les Black Mirror, dans tout ça. C'est maintenant en pire, quoi. Et ça, c'est assez facile à imaginer, mais voilà. Je me suis supprimée même. On m'a dit que c'était plus simple. Alors, et moi, peut-être utilise l'ordinateur de Christophe, parce que moi, le mien, il refuse d'afficher l'intervenant. Je le déteste. Normalement. Euh,
Peut-être sur la question des échanges concrets, c'est ce que je disais. En fait, comme c'est une équipe très hybride, par vie, en fait, avec chaque équipe, chaque sous-équipe de Parvis, le dialogue a été différent. Ce que je peux dire concrètement, c'est que j'avais une première année d'immersion, c'est-à-dire où j'intervenais une fois par mois en séminaire avec l'idée de produire quelque chose à chaque séminaire. Donc ça me donnait une contrainte très forte, parce que j'avais un sentiment d'imposture permanent, c'est-à-dire de devoir prendre la parole sur un sujet que je ne maîtrisais pas, qui à chaque fois était différent. Et en même temps, ça m'a permis, je dirais, enfin, le fait de faire une première production permet en fait une mise en dialogue concrète. J'ajouterais quand même à ça que c'était l'année, pas cette saison-ci, mais la saison précédente. Donc, la totalité du travail était en virtuel. Et donc, je n'ai pas rencontré certains membres de Parvis pendant un an et quelques. Donc, il y avait aussi cette contrainte. Je pense qu'elle a été quand même à prendre en compte aussi dans les échanges concrets qui pouvaient avoir lieu. Et je dirais aussi que c'est très difficile... en fait, comme toute communauté constituée, en fait, de dialoguer avec une communauté constituée. Et ce qui était particulier dans Parvis, c'est qu'il y a plusieurs communautés constituées qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais qui regardent comment leurs travaux peuvent se faire écho et dialoguer. Mais ce n'est pas une communauté constituée. Au sens aussi où j'ai l'impression l'ensemble de ces architectes et chercheurs, Parvis est un pan de leur travail, parfois à la marge de leur pratique professionnelle principale, là où moi, j'étais en résidence d'écriture à plein temps, en quelque sorte. Donc, dédiée à l'idée de faire pont entre ces différentes personnes. Voilà ce que je peux dire, en fait, avec le groupe Storytelling, qui est vraiment sur une approche critique des images d'urbanisme. Le dialogue s'est assez vite fait sur l'idée de produire d'autres textes, un autre discours. Après, par exemple, avec Pascal et Jacques, moi, j'avais imaginé, avant d'entrer en résidence, comme ils font un certain nombre de chantiers en bidonville, des chantiers militants qui participent notamment au mieux vivre, à un certain nombre de nécessités des habitants, et puis également des chantiers qui permettent aussi d'empêcher les évacuations, comme par exemple le fait de mettre aux normes telle clôture. Enfin voilà, je m'étais dit, je vais faire la petite main dans les chantiers, ce qui sera une manière concrète d'être sur le terrain, parce que je ne suis pas très à l'aise avec la position, moi non plus, d'observatrice, voyeuse de alors. C'est aussi des questions très concrètes. Donc je m'étais dit, je vais venir participer au chantier, peut-être élaborer une relation, moi, personnelle, humaine avec les personnes, entamer des ateliers d'écriture, enfin, qui sait, peu à peu avoir mon autonomie. En fait, je suis allée une fois en bidonville, mais je pense parce que c'est extrêmement compliqué, en fait, d'intégrer quelqu'un à une équipe déjà constituée, avec un calendrier qui est propre au groupe lui-même, qui n'est pas... Donc, je dirais que ça a été un ensemble comme ça d'approches au final qui se sont faits avec relativement de distance en fait avec les différents membres de Parvis, ce qui n'était pas forcément toujours évident, mais qui a créé aussi, par exemple, je pense que les nouveaux venus sont aussi le résultat finalement d'un ensemble de photos, enfin, d'images et de récits de personnes avec lesquelles moi-même je n'étais pas entrée en contact. Et donc je dirais que la lacune produit la fiction aussi. Enfin, et donc, il y avait une fiction à raconter de ça aussi qui, moi, m'a nourrie peut-être aussi. Et après, par exemple, avec les musiciens, c'est plus concret parce que c'est moi qui vais apporter la matière. Eux, ils vont apporter la leur et on va regarder comment ces matières se mettent en partage. Donc, c'est plus concret. En ce qui concerne... comment les chercheurs, chercheuses se nourrissent de mon travail, ce n'est pas encore très clair pour moi. Par exemple, le groupe Storytelling, je crois, peut-être l'idée qu'on écrive d'écrire un article dans lequel il y aurait une part de mes textes, en se disant y a un savoir quand même qui est produit par une écriture poétique, qui ne soit pas une écriture d'analyse. Se dire que c'est quand même une réponse aussi, c'est un discours en fait, même s'il n'est pas dans la forme universitaire. Après, c'est ce que je dis, ce qui est particulier, c'est que le noyau central autour de la CLIFI, il n'y avait pas forcément le désir de la part de l'équipe d'embaucher un écrivain ou une écrivaine de SF, en disant que mon rôle était avant tout de dialoguer avec les différentes équipes. Mais du coup, c'est vrai que je produis une littérature qui n'est pas forcément le corpus des chercheurs en littérature. Donc, je pense qu'il y a des échos
mais je ne saurais pas personnellement nommer, enfin savoir si ça se mord la queue, c'est-à-dire si moi, analysant les architectes, devient objet d'analyse pour les chercheurs en littérature. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas clair pour moi parce que je pense que je n'écris pas à l'endroit exact de leur corpus. Voilà. Et peut-être sur la question d'une approche critique, je pense que oui, bah, c'est ce que disait Alice sur, la, sur l'anti-anti-utopie, enfin, c'est-à-dire... je pense que produire un discours dystopique ou produire une dystopie, enfin, la dystopie est déjà un discours sur l'utopie. Enfin, après, moi, mon endroit de résolution, mon endroit de travail, l'endroit de travail qui m'intéresse, c'est l'humour, peut-être dire ça. C'est assez important pour moi parce que je tends à considérer que la colère est utile dans la rue et l'humour sur un plateau. Quoi. Ça ne m'intéresse pas de refaire une pièce morale, didactique, qui dit que. C'est pas bien, le monde va mal. Je pense qu'on est au courant, enfin, on est abreuvé de ces informations-là. Donc, pour Sirène, par exemple, c'était pour moi très important que ce soit drôle, quoi. C'est de produire de l'humour. Enfin, et du coup, en produisant de l'humour, tu produis de l'utopie, c'est-à-dire que tu sors avec un gain d'énergie qui est concret. Après, dans les nouveaux venus, c'est beaucoup plus fin, mais c'est vraiment un passage de. C'est un balade entre l'ironie, c'est-à-dire l'exploration d'un monde complexe, contradictoire, d'un monde critique qu'on va, enfin, sur lequel on va en rigoler pour ne pas se laisser avoir par ce monde-là, exploiter par ce monde-là. De manière, ils sont drôles quand même. Donc, il y a une espèce d'ironie critique comme ça, avec cette idée que cette ironie critique peut nous emmener vers du fantastique ou vers de l'humour ou vers quelque chose... qui dépasse seulement, enfin, sur le dos de l'ironie, peut se jouer un humour émancipateur, quoi, je dirais. Et je pense que voilà, le rire a cette possibilité-là, en fait, de rire de, c'est déjà commencer à renverser le rapport de force, quoi. Mais du coup, je dirais que ma réponse, je la trouve dans qu'est-ce que produit, quoi. Qu'est-ce que produit ce que j'écris, enfin, est-ce que ça produit du rire, est-ce que ça produit de l'humour, est-ce que ça produit de la nostalgie, enfin, et dans les nouveaux venus, il y a aussi des pages blanches. Enfin, j'avais envie qu'il y ait des espaces comme ça où je ne raconte pas l'horreur ou ce qui est difficile, mais c'est une manière de faire respirer, enfin, de raconter autrement, quoi, par ce qui manque. En tout cas, je trouve ça difficile. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de rester dans un simple rapport critique. Mais c'est pour ça que la poésie, je trouve que c'est possible, mais dans des formats courts, en fait. Ça a du sens dans des formats courts. Donc, chaque discours implique sa forme, quoi. Et donc, si c'est rester dans une approche critique, autant que ce soit dans un format court comme un poème, par contre, dans un format plus long, je pense que j'ai envie d'aller attraper des sentiments plus subtils. Voilà ce que je peux dire. Alors j'essaie une nouvelle tentative. J'ai piqué l'ordinateur d'Alice. Pour l'instant, la caméra marche. Pour savoir, alors j'ai besoin qu'à distance, personne ne s'est manifesté. Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite intervenir? Il y a eu deux moments où j'ai eu peur quand même dans l'intervention. C'est le moment où j'ai eu envie de me rapprocher. Je pensais que tu allais dire des cabillauds, et puis tu as dit des chercheurs. Je me suis dit, ça fait une espèce de court-circuit. Et puis après, tu as dit, j'ai quand même voulu jouer la fausse chercheuse idiote. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des vrais chercheurs idiots? J'ai trouvé plein d'exemples. Mais bon, alors donc, mais c'était pas ça la question, c'était beaucoup plus sérieux. C'était de dire. C'était l'histoire des approches critiques qui m'a interpellé. Parce que nous, en sciences humaines, là, quand on est confronté à l'exploration des futurs, on est emmerdé parce qu'on a quand même un principe de base qui est que
qu'on est surtout à l'aise sur des choses qu'on peut observer. C'est-à-dire, on peut observer le futur à la limite s'il a des manifestations présentes. Et comme on est malin et qu'on a fait plein d'études, on trouve toujours des manifestations présentes du futur. Mais il y a des collègues dans d'autres disciplines qui n'ont pas du tout la même approche et qui sont beaucoup moins, je vais dire, inhibés vis-à-vis du futur. Et je pense notamment à toutes les sciences de la modélisation. Donc, des collègues qui sont capables de dire aujourd'hui, évidemment, moyennant hypothèse, hein, comment les choses vont se passer dans 10, 20, 30, 50, 100 ans. Il y en a. Et je me demandais du coup si le genre de démarche que j'ai évoqué là pourrait donner des choses très différentes si au lieu d'être immergé parmi des chercheurs en littérature ou des chercheurs en études urbaines critiques, tu t'immergeais parmi des modélisateurs qui, par exemple, cherchent à appréhender le climat urbain dans 40 ans. Vu de l'extérieur, avec beaucoup plus d'assurance que nous, mais peut-être finalement, vu de l'intérieur, pas tant que ça. Donc, ouais, c'est ça que je me disais. Et qui, eux, en tout cas, définissent pas leur approche comme ça, a priori, comme des approches critiques ou je ne sais quoi, mais plutôt comme des approches un peu objectivantes. Pas objectives, mais objectivantes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, finalement, essayer d'anticiper les tendances futures. Je ne sais pas si cette question a un sens. Je ne sais pas non plus, je dirais, non, mais c'est sûr que j'aurais été avec d'autres personnes, ça aurait produit d'autres textes ou récits. Ce que je peux dire, c'est que moi, n'étant au départ pas spécialiste, par exemple, en science-fiction climatique, le fait d'entendre parler de SF climatique a quand même nourri aussi, par exemple, ce récit où, pendant la tempête, tout le monde se met à imaginer des blockbusters dingues, en reprenant leur planche de parquet Leroy Merlin, en s'imaginant que ça va faire des rames, enfin, il y a une espèce de délire comme ça en se disant. Enfin, mais du coup, c'est vrai que je joue aussi avec ça, enfin, je joue avec une culture du blockbuster et aussi avec sa capacité déceptive, c'est-à-dire ne pas rentrer dedans jusqu'au moment où je crée un effet déceptif aussi de ces attentes-là d'une littérature d'action. Je pense que c'est sûr que si j'avais travaillé avec, si j'avais passé du temps avec des climatologues, ça n'aurait pas donné le même récit. En fait, là, par exemple, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment tiré en fait de la matière qui était analysée, c'est-à-dire où chercher ou étudier ou les terrains d'action des personnes avec qui j'étais en contact, notamment sur la question des bidonvilles, finalement, où du coup ça a vraiment teinté et ça m'a fait produire un récit que je n'avais pas anticipé a priori du tout sur l'imaginaire de la slum city ou de la ville précaire et de comment détourner aussi cet imaginaire-là, enfin, qui dans la SF est aussi soit glorifié avec un personnage comme ça qui émerge du bidonville pour organiser une révolte contre les puissantes. Enfin, ouais, je m'étais dit aussi comment cet imaginaire de la Slum City peut être regardé d'un autre angle pour sortir en fait aussi de certains schémas narratifs. Donc, je ne peux que dire ça. Je ne peux que dire que j'aurais écrit autre chose avec d'autres personnes. Après, n'ayant pas une pratique de romancière très affinée, tout simplement, et affirmée, puisque c'est la première fois que je produis un geste romanesque, je ne sais pas encore trop comment il va tenir. Je ne suis pas sûre que j'aurais produit un récit plus objectif avec des chercheurs qui auraient travaillé courbé chiffre. Enfin, mais je ne crois pas que c'était la question, donc peut-être je m'éloigne, j'essaye de réfléchir. Je ne sais pas trop. Oui, merci beaucoup. Non, je ne sais pas trop quelle était la question. C'était pas plus objectif. C'était pas en ces termes-là que je l'imaginais. C'est plutôt des collègues qui développent d'autres approches scientifiques et qui ont un rapport différent au futur. Et pour eux, le futur est tangible parce dans. Enfin, je ne veux pas parler alors, en fait, je parle à leur place. J'ai l'impression, je fais l'hypothèse que le futur est tangible parce qu'il s'inscrit dans des
dans des dynamiques, par exemple, géochimiques, si on parle du climat, qui sont puissantes. Et donc, on s'interroge moins sur la capacité à explorer le futur de manière objective. Alors, j'entends qu'en sciences humaines, c'est quand même plus, on est plus hésitant, plus inquiet quoi, dans ce travail-là. Je me dis que ça aurait pu donner un travail différent. Oui, après, c'est sûr que je pars aussi de mes propres positionnements politique aussi, et je pense que je retamise les discours que j'entends ou je reçois à l'aune de ma propre opinion politique. Donc j'imagine que si j'avais travaillé avec des ingénieurs en géochimie, j'aurais probablement produit peut-être produit un discours critique sur un... En fait, forcément, je passe les choses au tamis de ma propre perception du monde. Oui, bien sûr. Ce qui m'y fait penser, c'est ce que dit Valérie Masson-Delmotte là quand elle fait donc la vice-présidente du GIEC là quand elle fait un exposé sur les travaux du GIEC, elle dit quand même il faut prendre en compte le fait quand vous écoutez ce qu'on dit maintenant, prenez en compte le fait que depuis 20 ans tout ce qu'on a dit s'est produit comme on l'avait dit, juste un peu plus rapidement que ce qu'on avait dit. Voilà. Donc ça fait d'un seul coup ça. Oui, merci Adèle. Moi, j'avais une question peut-être dans le prolongement de celle que posait Olivier, parce que du coup, comme tu me poses la question de ce qu'on pourrait faire, je me mets dans la peau de ces chercheuses ou ces chercheurs-là, et je me disais que est-ce que on est toujours nous, chercheuses et chercheurs en sciences sociales, pris par les contraintes de nos enquêtes et les manques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini, il y a des bouts qu'on n'a pas pu explorer, on a mal fait un truc et tout ça. Puis quelquefois, je pense que ça, peut-être ça contraint un peu du coup notre capacité d'analyse. En tout cas, on ne s'autorise pas forcément à sortir de là aussi pour des raisons de scientificité, enfin je veux dire de ne pas dépasser ce qu'on... Donc est-ce que justement cette puissance créatrice en fait que dont tu es porteuse pourrait permettre en fait d'explorer ces manques ou ces mal pensées ou ces choses qu'on n'a pas fini d'enquêter. Voilà, c'est vraiment une question ouverte. Hein. Je dirais qu'en tout cas c'est la richesse d'un programme interdisciplinaire déjà en soi, au-delà de l'approche littéraire ou créative que moi je vais avoir dedans, c'est-à-dire que c'est la richesse et la difficulté, c'est-à-dire que même entre littéraire et architecte, je ne sais pas ce qu'en pense Maxence qui fait partie du programme depuis récemment, mais il y a on sent que les objets regardés sont les mêmes mais avec un vocabulaire très différent, d'où parfois le sentiment de langages étrangers qui ne se rencontrent pas, et en même temps la richesse, c'est un éclairage réciproque, notamment sur les termes de narration, de récit ou d'image, enfin, où tout d'un coup les approches différentes des uns et des autres vont s'éclairer. Et j'imagine qu'en effet l'écriture littéraire va permettre aussi de décentrer le regard, de le déplacer en fait, ou de, en effet, produire, raconter aussi ce qui n'est pas raconté par l'analyse critique ou par le visuel, faire parler l'image qui ne parle pas. Donc je pense en effet ça vient compléter, du coup ça vient déplacer le regard. Je pense que c'est le cas. Après c'est peut-être plus visible en effet par exemple dans le travail, dans les quelques ateliers menés avec des étudiants aussi, de tout d'un coup utiliser la fiction du coup comme décentrement possible, et là du coup ça réouvre en fait le regard. Bien, bien écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si même pas une question, c'est juste totalement par hasard. Je vois que vient de paraître. 22 mars 2022, le Monde à venir, l'art de l'anticipation au théâtre, par Muriel Plana, et que ça pourrait prolonger un peu la discussion. Je me demandais, bien sûr, Muriel.
Non, je vois bien que ça, mais je ne la connais pas personnellement. Ben voilà, elle a donc apparemment, je savais qu'elle s'intéressait aux questions d'anticipation, et elle vient de publier un livre, donc je ne l'ai pas lu forcément, il est paru il y a 8 jours, mais ça peut montrer l'avenir à l'art de l'anticipation au théâtre. Par Muriel Plata. Non, mais en tout cas, qu'il y ait par exemple, en tout cas dans le monde du théâtre que je fréquente, une explosion de fiction futuriste, je pense que c'est une réalité. Et je pense qu'il y a aussi, moi je sais que j'avais envie d'écrire une SF du présent aussi en réponse à ça, c'est-à-dire, on n'arrête pas de. Plus on met les pieds dans la merde, plus on produit des SF. Parfois apocalyptique, parfois utopique, mais c'est un mouvement qui est intéressant. Ça m'étonne pas qu'il y ait des livres entiers qui commencent à sortir dessus. Je ne connais pas du tout, mais dans la production théâtrale qui se préoccupe du futur, j'ai l'impression que c'est quand même difficile de sortir de l'imaginaire. Oui, conformiste, c'est un peu dur peut-être, mais du futur, quoi. Et que la question se pose quand même, je trouve, ça rejoint tout à fait hein, ce que tout à l'heure. Tu vois, de quel futur on parle, ouais, et comment on arrive comment les imaginaires du futur peuvent nous permettre d'ancrer quelque chose dans le présent qui soit différent d'un sentiment de catastrophe et du coup d'inaction politique quotidienne, etc. Et j'ai l'impression que c'est difficile, quoi. En fait, moi, j'ai rien d'autre à répondre à ça, si ce n'est parce que même cette histoire d'utopie radicale, je la trouve compliquée, si ce n'est produire des fictions contradictoires, quoi. Des cyborgs féminins, enfin voilà, produire des fictions qui prennent en compte les contradictions. Après, oui, que nos imaginaires du futur soient extrêmement pauvres, je pense que c'est une réalité. Après, moi, personnellement, en tant qu'artiste, tout ce que je peux dire, c'est que je n'écris que sur ce qui m'intéresse, ce qui m'est essentiel, ce qui sont notamment les enjeux écologiques contemporains. Et ça ne m'intéresse pas d'écrire des choses qui ont déjà été écrites, notamment par les journaux. Donc, la seule question qui va m'intéresser, mais peut-être c'est parce que c'est la littérature qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais produire. En fait, je m'en fous des paysages que je vais construire. Ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière je vais les raconter. Et du coup, quels sentiments vont-ils produire? Et ces sentiments-là, quelles actions vont-ils permettre? Et je pense que c'est souvent là où on se fourvoie, c'est qu'on s'intéresse aux imaginaires et pas aux effets esthétiques de la production, en fait, littéraire et théâtrale. Il y a des œuvres qui sont fortes, non pas par les mondes qu'elles mettent en scène, mais par la manière, quel sentiment elles produisent avec ça. Moi, mais peut-être c'est le théâtre aussi qui produit ça, parce que c'est la question de l'adresse ou du... C'est quel sentiment je produis en écrivant qui m'intéresse et pas quelles histoires je raconte, parce que je peux écrire sur tout en soi. Enfin, et ben pour moi, ça ne va pas tout à fait. Enfin, d'accord, on produit des histoires, en effet, des histoires qui n'ont que pour but d'imaginer les futurs ne sont pas des histoires. Je ne sais pas comment dire. Moi, qu'est-ce que ça produit, quelle forme esthétique ça prend. Par exemple, la SF post-apocalyptique que j'ai écrite, c'était du comique. On rigole vraiment de cette fin du monde. Enfin, on a un rapport comme ça de rituel d'éructation, enfin, espèce de fin joyeuse. On dit adieu à l'aboutissement ultime. Voilà. Non. Système extractiviste, patriarcal, j'en sais rien, on peut mettre plein de mots dessus, mais... En tout cas, moi, ma réponse, c'est ça, c'est se poser la question des formes esthétiques. Eh bien, merci, c'est une très bonne question, une très bonne ouverture pour qu'on continue à méditer sur ce qu'on s'est dit cet après-midi, là. Alors...
de ne pas se séparer trop abruptement. On a organisé un petit pot qui n'est pas dans la salle dans laquelle il était indiqué, mais dans la salle qui du coup apparaît en rouge sur le programme, c'est-à-dire la salle A221. On peut y aller ensemble, surtout qu'il faut que ceux qui viennent prennent soit une petite assiette, soit deux bouteilles pour qu'on achemine tout ça jusqu'à l'autre salle. Et donc, on s'y retrouve tout de suite. Et pour celles et ceux qui sont à distance, eh bien, tant pis pour vous ratez le pot, mais pour la prochaine fois.